Bon après-midi et merci aux membres de la presse de présence ici cet après-midi pour sa point de presse-là. On pourra rappeler qu'au début de l'année scolaire, nous allons faire un point de presse pour nous expliquer comment la rentrée peut faire et nous dire aussi que la rentrée peut faire en étapes. C'est une première phase pour l'admission, ensuite le online teaching et finalement la rentrée en présentiel. Et nous avons adopté un principe de staggered resumption avec certains élèves venant 3 jours de la semaine et d'autres pendant 2 jours de la semaine. Et là, nous sommes prêts nous pour débuter le second trimestre. Il y a beaucoup d'attentes, tout le monde se demande comment le second trimestre pour faire. Pas toujours, nous sommes toujours guidés par le principe de sécurité et continuité pédagogique. Et là, pour le second trimestre, tout en gardant en tête qu'il nous besoin toujours protéger les élèves et qu'il y a beaucoup de cas de COVID dans la communauté, nous commençons le deuxième trimestre en gardant le même principe du premier trimestre durant 1 mois, c'est-à-dire du 13 septembre au 15 octobre. Nous prenons une classe en présentiel, toujours staggered comme au début de l'année scolaire, c'est-à-dire du 13 au 15 octobre, staggered, c'est-à-dire les élèves, certaines classes venant sur 3 jours et les autres sur 2 jours. Et bien sûr, cela toujours en gardant en tête qu'il nous vient protéger. Mais après ce mois-là, arrivé au troisième trimestre, après le premier mois du 13 au 15 octobre, le 18 octobre, nous pouvons reprendre les classes normalement avec tous les élèves en même temps à l'école. Du 18 octobre jusqu'à la fin du trimestre. Et là, les bons qui me rappellent, les lundis, les mercredis et les vendredis, au départ, nous prenons les élèves de grade 9, 9 plus, 11 et 13 qui viennent sur 3 jours. Et les mardis et les jeudis, maintenant les petits qui poulent sur 2 jours, grade 1, 2 et 3 et grade 10 et 12. Alors tout cela, c'est parce que durant le premier mois, nous voulons assurer qu'on garde les mêmes mesures sanitaires qu'il nous y prend durant le premier trimestre. Mais à partir du 18 octobre, tous les élèves vont être à l'école en même temps. Maintenant, nous rappelons que la rentrée du second trimestre, pour faire en deux étapes. Première étape, toujours gardant le principe de staggered resumption avec les élèves venant chaque 3 jours et 2 jours. La seconde étape, pour débuter le 18 octobre jusqu'à la fin du trimestre, tous les élèves viendront en même temps à l'école. Bien sûr, gardant toutes bonnes mesures sanitaires qu'il nous prend, tout comme dans le premier cas, nous gardons toutes les mesures sanitaires, prise de température, port du masque, le lavage des mains régulièrement, avec aussi le sanitizer, etc. Tout sera maintenu comme c'était le cas pendant le premier trimestre. Alors là, il est important aussi qu'il nous dise que toutes ces bonnes mesures qu'il nous prend là, nous pour garder, nous pour assurer que nous pour redoubler vigilance parce qu'il nous connaît des bizarres comme ça. Wearing of mask, température à la rentrée, bien sûr, distanciation physique, etc., etc. Tout sera maintenu comme c'était le cas durant le premier trimestre. Maintenant,
Ceci dit, il est important qu'il vous fait ressortir aussi, qui tout ce travail, ce plan qu'il nous fait présenter là, nous fait faire après mieux réflexion, finalement une consultation avec divers stakeholders, avec une union, etc. Et nous fait venir à la conclusion qu'il est important qu'il nous permette à ce qu'il va nous aider complète ce programme et qu'ils soient capables quand même arrive complète le programme au cours de l'année scolaire en entier. Alors de ce fait, le second trimestre peut être étendu de 2 semaines. C'est-à-dire que le second trimestre qui peut débuter le 13 septembre pour continuer jusqu'au le second trimestre pour continuer jusqu'au 17 décembre au lieu comme prévu au 3 décembre. On peut étendre le second trimestre par 2 semaines. À la fin du second trimestre, les enfants pourront rentrer en vacances et pourront reprendre pour le troisième trimestre en janvier 2022, le 10 janvier 2022. Et là, il est important aussi qu'il me dise qui pourrait, à la rentrée du 10 janvier, continuer à la même façon que nous commencer au 18 octobre et là aussi le troisième trimestre pour allonger par 2 semaines, c'est-à-dire au lieu de terminer au 15 avril le troisième trimestre pour début du 10 janvier et pour terminer le 29 avril nous pouvons allonger par 2 semaines additionnelles. Pourquoi cela? Vous remarquez que quand il commence l'année scolaire en juillet d'une faire d'une façon staggered, c'est une période que c'est online teaching. Au final, finalement, à peu près 29 jours qui finit manqué. Alors là, nous avons fait de sorte à ce qu'il nous rattrape nous l'eau là. Et c'est pour cela qu'il nous fait étendre le second trimestre par 2 semaines et nous pouvons étendre le troisième trimestre par 2 semaines aussi. Il est important qu'il me souligne qui nous pourrait reprioritiser le curriculum, c'est-à-dire nous pour alléger le curriculum. Il est important qu'il nous fait aller pour assurer qu'il va nous élèver capable de compléter le programme. Et là, il est important aussi qu'il me fait ressortir que quand nous pour alléger le programme, il y a aussi un changement dans le assessment syllabus. Bon aussi qui me dire que quand nous pouvons faire étendre le syllabus, le calendrier scolaire, nous pouvons alléger le assessment syllabus, tout ça c'est pour assurer que mes élèves sont capables de faire face à l'année scolaire d'une façon plus sereine. Parce que quand même, je finis l'année qui finit perturbée dès le départ. Le assessment syllabus qui nous peut dire pour alléger, il pour le PSAC et aussi pour NCE à la fin du grade 9. Bon, pour aussi ajouter que l'aspect holistique de l'éducation peut être maintenu. C'est-à-dire, avec le changement de calendrier, avec l'étendue, quand on étend sa deux trimestres, nous pouvons assurer que l'aspect académique soit maintenu, mais en même temps, nous devons assurer le développement intégral de l'enfant, c'est-à-dire toutes les classes de physical education, art, musique, etc., pour être maintenues. À la fin du second trimestre, nous prenons un assessment. Et là, on vous rappelle qu'il pour PSAC, et non un assessment qui fait à la fin du second trimestre, c'est-à-dire le module assessment de sciences et histoire et géo. Alors, ces deux papiers que nous pouvons faire lire à la fin du second trimestre, probablement la troisième semaine de décembre. Bon, ça, là aussi, il est important qu'il nous note qui tout, nous continuer à assurer que la cour, l'école, l'établissement scolaire
sont maintenus en état, qui prennent le nettoyage régulier, la désinfection des salles de classe, et demandent à ce que tout bon chef d'établissement assure qu'il y ait une distanciation physique à tout moment, bien sûr, compte tenu de la façon qui bonne classe répartit l'infrastructure qui est available. Il y a là aussi les récréations pour faire d'une façon staggered, c'est-à-dire tous les élèves pas pendant la récréation en même temps, mais pour toujours garder ces principes de précaution sanitaire. Alors, distanciation, bonne récréation qui a du temps, dismissal aussi, le chef d'établissement pour assurer que tous les élèves passent en même temps, pas d'attroupement, etc. Quoique les élèves, graduellement, pourraient tourner à la norme, pour continuer à évoluer comme vous étiez dans l'habitude avant. Il est important qu'il me dise là, surtout aux élèves, qu'ils ont besoin de respecter toute sa bonne règle sanitaire là, toute sa bonne consigne sanitaire là, strictement. Pas seulement au niveau de l'école, mais aussi en venant à l'école ou en sortant de l'école, à la maison, parce que de tout temps, il est important de nous faire. Et là, je suis content de faire un appel à tout bon partenaire de l'éducation. Les parents, les enseignants, les élèves eux-mêmes, tout bien faire preuve de responsabilité. La responsabilité individuelle est extrêmement importante pour la sécurité et la santé des enfants. Alors ça, c'est le principe qui nous tous nous aide, non? Et nous tous nous a fait vivre ensemble. Pour réussir, nous avons sa collaboration et sa coopération de tout un chacun. Extrêmement important. Ceci dit, laisse-moi maintenant tourne-moi vers le pré-primaire et le Special Education Needs Schools. Et pour le Special Education Needs et pour le pré-primaire, nous pouvons le même principe, c'est-à-dire du 13 septembre au 15 octobre, ce sera les cours, tout comme c'était le cas durant le premier trimestre, c'est-à-dire staggered, 3 jours pour ceux qui ont des examens nationaux et internationaux et 2 jours pour ceux qui n'ont pas des examens nationaux et internationaux. C'est-à-dire, comme prévu, comme d'habitude d'ailleurs, nous vous faisons bien une copie du plan. Après le 18 octobre, tout retourne à la normale, c'est-à-dire tous les enfants viennent à l'école en même temps. Et là aussi, le calendrier scolaire pourrait tomber de la même façon, c'est-à-dire le second trimestre, du 13 septembre au 17 décembre et le troisième trimestre du 10 janvier au 29 avril. Pour les institutions tertiaires, je peux continuer à garder le blended mode, mais au mois d'octobre, le tout pour déjà réouvert et tous les élèves viendront en même temps à l'école, à l'université, pardon. Alors, même protocole pour appliquer pour toute bonne institution de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire tous les cours en présentiel avec tous les étudiants à partir de la date préconisée pour la rentrée. Rodrigue et Kagalega peuvent maintenir le calendrier qui est prévu. Parce que chez eux, ils n'ont pas de problème là, et ils peuvent maintenir le calendrier tel quel. Et là, dans toutes les écoles aussi, nous avons une campagne de sensibilisation, nous pouvons dire à nos élèves qu'ils ont besoin, bien sûr, de prendre des précautions, tout le chef d'établissement pour assurer que cela se fait comme il se doit. Bien sûr, tout le protocole sanitaire qui est prévu pour maintenir, toute bonne précaution à prendre au niveau des écoles pour faire lire comme nous le faisons au début de l'année scolaire. Et bien sûr, je crois bien pour autant que nous réalisons que la rentrée scolaire est primordiale. Le fait que les élèves retournent à l'école, personne ne peut pas dire. J'ai besoin de retourner à l'école, mais seulement j'ai besoin de rester en sécurité. Et là, c'est pour ça qu'il est extrêmement important pour que chacun prenne son responsabilité. Et ne vous dépanne de chaque individu, chacun, la responsabilité individuelle est extrêmement importante. Et nous vous demande à ce que tout bon partenaire, ensemble, nous fassions face à cette nouvelle situation-là et nous fassions tout
pour assurer que mes élèves restent en sécurité à l'école et qu'ils soient capables de continuer notre programme d'études en toute sérénité. Et maintenant, si jamais il y a des questions, on va pouvoir répondre à votre question. Quel est le protocole en cas de cas positif? En cas d'un élève positif, bien sûr, l'élève parle en traitement. Ceux qui sont en contact direct avec l'élève seront, bien sûr, en isolation plutôt. Et là, à ce moment-là, la santé peut take charge. Ils vont faire les tests, etc., avant qu'ils ne retournent. Mais ce sera la classe qui sera... on va demander aux élèves de la classe de partir, les autres restent là. Et par la suite, quand ils finissent de désinfecter la classe et tout, on est venu qu'à retourner le lendemain. Donc uniquement la classe concernée, ce n'est pas toute l'école. C'est pas toute l'école. Si dans l'école, pas peut respecter la norme sanitaire. Dans l'école, obligé de respecter la norme sanitaire. Et moi, je fais confiance à mon chef d'établissement et mon enseignant, parce qu'il est dans l'intérêt de tout le monde. Personne ne parle qui un élève tombe malade ou qui un professeur tombe malade. C'est une responsabilité là qui m'attribue à tout un chacun. Et tout le monde, d'ailleurs, pas seulement à l'école, même en dehors de l'école, même dans n'importe qui place où les gens travaillent, tout le monde, mais c'est pour son responsabilité, tout un chacun. Premier trimestre, nous trouvons que l'école, tu peux fermer parce que tous les jours, qui fait un ministère parfait noté pour online teaching pour le deuxième trimestre. Pouvez-vous m'expliquer quoi là? Ça fait COVID encore, avec les 124 jours. COVID encore là et COVID encore là à travers le monde. Mais tout bon expert dans le monde de l'éducation, tout bon pédagogue dit où, si jamais il n'y a pas de cas, et nous ne sommes pas capables d'attendre qu'il n'y ait aucun cas pour réouvrir l'école, nous devons apprendre à vivre avec. Et que COVID n'est pas pour quitter nous de sitôt, c'est une nouvelle normalité, nous devons adapter à cela. Bien sûr, en prenant les précautions nécessaires. Nous connaissons qui nous. Bien sûr, quand besoin, le besoin se fait ressentir, nous prenons online teaching. Mais là, il est important, l'UNESCO, UNICEF, toute bonne institution pédagogique à travers le monde peut dire qu'il est important que l'élève retourne à l'école et qu'il est capable de socialiser avec ses camarades. Covid finalement a un impact sur la psychologie des gens aussi, mais des enfants encore plus, ou pas capable continuellement d'adulte en dehors de l'école. Le contact avec vos bonnes camarades de classe est important, tout en respectant les normes sanitaires. Bien que si la bosse pour aller gérer chez SAC avec un CE, tu parles avec moi, donc on peut faire SI et HSI. Mais comment on peut être cette fois? Ben voilà, une chose est certaine, nous quittons le nombre de jours d'école, nous essayons d'établir un calendrier qui peut couvrir le jour perdu. Maintenant, il est aussi vrai qu'il peut bien faire beaucoup plus d'efforts et que chaque établissement scolaire, chaque enseignant, pour bien, avec les bons élèves, travaille un programme et essaie de compléter le syllabus. D'ailleurs, ça se fait toujours. D'ailleurs, ce qui nous peut faire aussi, vous remarquez que le troisième trimestre finit tendu par deux semaines. Et alors, le study leave, pour là, les élèves, pour être capables toujours être en contact avec les professeurs pendant le study leave, pour compléter le programme. Et me penser, il est faisable. Je prévois mon examen en décembre. En principe, point ben assessment, comment de faire à la fin de chaque trimestre. Mais bien sûr, nous pouvons essayer de faire de sorte à ce qu'ils aient fait vers la fin et qu'ils ne prennent pas trop de temps. Il y a une approche holistique aussi qui pourrait être indiquée. L'approche holistique, c'est ce que vous voulez dire, c'est que déjà dans nos curriculums, nous prévoir une classe de physical education, de musique, etc. Nous parler qui nous concentrer. Quand l'élève, quand il retourne à l'école, il retourne à l'école et il fait une scolarité normale. Et bien sûr, finir le bon jour qui finit raté, mais nous pouvons rattraper en étendant sa bande à trimestre-là. Et en même temps, nous voulons que l'élève ait un curriculum normal. Pas qu'il nous dise, bon, là, parce qu'il nous rate quelques jours, nous ne nous concentrons que dans certaines choses. Non. Parce qu'il nous fait allège le curriculum. Nous finissons déjà revoir l'assessment syllabus. Alors, nous besoin de l'élève la possibilité de d'épanouir. Nous besoin insister toujours sur le fait que l'école, c'est pour le développement intégral de l'enfant, pas simplement pour le certificat. Vous avez une affaire par rapport à une spécialiste que je vous suis pareil que les écoles conventionnelles. Est-ce que les spécialistes, pas pensé qu'ils ont fait peut-être un peu aux autres?
Special education needs finir la classe. Ne pas finir dans seulement une, je finis la classe, mais elle est finale à l'école. C'est moi, je finis dans le même principe de 3 jours, 2 jours. Alors, c'est ça qui m'a dit qu'il faut pareil. Ça veut dire qu'à la rentrée au second trimestre, je peux toujours, pendant le premier mois, il y a 3 jours, 2 jours, tout comme le reste. Par la suite, je peux avoir tout le monde pour venir en même temps. C'est ça qui m'a dit. Mais bien sûr, special education needs, les classes qu'ils ont, le curriculum qu'ils ont, il est différent. Il n'est pas le même curriculum. Ça, comme on voulait dire, pareil, on voulait dire que je peux maintenir le même principe de 3 jours, 2 jours au cours du premier mois du second trimestre. Et est-ce que votre ministère peut envisager faire la vaccination pour les qui ont moins de 12 ans? Mon ministère n'a pas fait vaccination, c'est le ministère de la Santé, mais moins de 12 ans, non. Je sais que nous avons gain confirmation qu'il nous gagne un certain nombre de vaccins Pfizer qui pourront entrer après le 20 septembre. Et cela, ce sera pour les élèves au-dessus de 12 ans, là-haut 12 ans. Et nous commençons avec ceux qui ont 17 ans à 10 ans. Parce que nous gagnons un certain nombre pour commencer. Mais européens envisagent pour faire moins que 12 ans pour moins de 12 ans. Moins que 12 ans, non. Parce qu'il y a beaucoup de vaccins qui sont capables de faire avec des élèves de moins de 12 ans. Parce qu'ils ont fait un test, c'est pas fait de faire un test sur les enfants de moins de 12 ans. Est-ce qu'il y a une possibilité de faire un jour de classe alternée, les enfants qui restent à faire, c'est-à-dire un cours en ligne en tout temps? Bien sûr qu'il prend les jours que les élèves pas à l'école, déjà là, nous avons une énorme classe à la télévision. Alors, c'est pour ça qu'il nous continuons. Dans les jours alternés, pas pour tous les, regardez, hein, pour les élèves de grade 1, 2, 3 et jusqu'à 6e, grade 1 à 6, il y a un programme qui est déjà fait qui passe à la télévision. C'est-à-dire les jours où ils ne sont pas à l'école, ils sont capables de suivre ce programme-là. Par contre, pour les autres, nous avons un programme qui est au SSP, sur notre support plateforme, c'est-à-dire grade 7 à 9, d'être capable d'avoir recours à ça. Et si jamais vous avez besoin, contactez le professeur pour une raison, vous êtes capable de contacter le paiement online pendant cette période-là, parce que le professeur est déjà engagé avec d'autres classes, parce qu'il y a une split class. Parce que si nous prenons l'exemple, un enfant grade 10, par exemple, je crois qu'on peut le laisser dans 2 ans, et pour le moment, c'est à l'école, c'est des jours par semaine. C'est pour ça, tout à l'heure, nous faisons compte le nombre de jours qui vont être ratés et nous allongeons le calendrier scolaire là par 1 mois. 2 semaines au second trimestre, 2 semaines au 3e trimestre. Et nous pensons qu'avec, les élèves pourront couvrir le programme. Alors nous pensons qu'il est faisable. Depuis le début du pandémie, quand il y a tout changement, vous êtes une dressée de bilan, est-ce que le niveau de l'éducation des élèves, est-ce qu'il est affecté, est-ce qu'il y a une bilan? Bon, premièrement, ça que maman vous dit, le fait même que nous gagnons 3 assessments qui finissent faire au niveau national, nous finissons trouver qu'il n'y a pas finalement grand décalage. Au contraire, même pour Cambridge Exams, nous finissons remarquer qu'il finissent ben les élèves maintenir le niveau. Pourquoi? Parce que, on dit à plusieurs reprises, pendant la pandémie, pendant le confinement, les élèves étaient à la maison. Je finis le soutien des professeurs, online, WhatsApp, etc. Mais finis aussi le soutien des parents. Et pendant le confinement, moi, je pensais que c'était un élément extrêmement important. Les parents finissent avec les élèves et suivent le progrès des élèves à la maison. Enfin, finis là avec eux, finis là, suivi des parents. En plus, je voulais dire aussi qui c'est moins de distractions pendant le confinement. Les élèves pas sortis autant que ça. Alors, finalement, de l'autre côté, là, comme si nous inquiétait aussi, la pandémie finalement se lot le problème, mais en même temps, permettez-nous de vivre une expérience différente. Et nous trouver qui finalement beaucoup plus de soutien parental aux élèves, aux enfants, finalement le soutien des professeurs certainement, mais en même temps, finalement moins de distractions, finalement beaucoup plus de concentration sur le travail. Et en plus, il ne faut pas oublier calendrier là, tine allongé, ça gagne beaucoup plus de temps pour travailler. Dans l'éventualité qu'il y ait 2 semaines, vous mettez en plus
pas suffisant pour attraper le taux. Est-ce qu'elle n'aura pas les examens à envisager pour essayer de chasser? Je ne pense pas, parce que nous faisons le compte, nous connaissons combien de jours d'école qui fait rater, et nous connaissons aussi que, par exemple, nous faisons rater 29 jours pour ceux qui suivent nos 3 jours, et nous ratons 21 jours, pardon, nous ratons 29 jours pour ceux qui suivent nos 2 jours, et 21 jours pour ceux qui suivent nos 3 jours. Et de ce fait, les temps, quand nous étendons les 2 trimestres par 2 semaines, nous faisons récupérer 1 mois. Alors, les more or less le same. Et vous pensez avec un peu d'effort, parce que même en temps normal aussi, quand elle a une difficulté couvert quelques chapitres, d'habitude, et non, un engagement des professeurs pour couvrir le syllabus, pour trouver le moyen pour faire avec les élèves. Ça se fait normalement. Est-ce qu'il y a une possibilité disons, si une jeune fille arrive le 18 octobre, pendant sa période full-fledged, là, si le nombre de cas comme une manzélie, dans les milieux scolaires, ils s'augmentent, qu'ils ne peuvent pas s'installer avec un de... Enfin, me prier qu'il ne peut arriver une chose pareille. Mais me faire à la remorque, qui finit le même cas dans la communauté, et qui finit le même élève à l'école qui est positif, tout de suite, même élève finit aller, et je finis sous traitement, et pas finalement sa transmission à l'école-là. Me prier qu'il pénale ce genre de transmission à l'école, et qu'il ben l'école reste safe, ben... avec si on peut faire beaucoup de choses, mais je préfère pas penser à ça. Hein, mais si jamais il y a un cas arrivé et qu'on est obligé, mais bien sûr, nous pouvons prendre les mesures qui besoin. Mais je ne pas penser qu'il nous bizarre, nous parler de sa direction. Je ne pas penser pour une situation pareille. Je prier qu'il n'y ait pas une situation pareille plutôt. Le nouveau calendrier, il démontre qu'il y a quelques petits problèmes pratiques, par exemple, l'examen en période de pluie, il y a une bizarre annulée. Résultat HSC qui arrive un petit peu, qui s'arrête quand on va reprendre l'université. Est-ce qu'il est envisage pour regretter le calendrier ou pour maintenir? Vous savez, personne n'est pas content pour nous changer calendrier. Nous changeons calendrier parce qu'il nous a besoin d'être l'intérêt des élèves. Et mon corps idéalé, nous n'avons pas besoin d'être seulement ceux qui dans Forme 5 et dans HSC. Nous avons besoin d'être l'ensemble de nos élèves. Même ça, l'élève qui est en grade 1, fin de l'année PHEB, grade 2, grade 3, etc., jusqu'en grade 13. Alors, nous, notre but, c'est assurer que ces élèves-là sont capables de couvrir ce programme d'une façon correcte, avec bien sûr une besoin à l'âge programme aussi dans certains cas, mais nous obliger à considérer tous nos élèves. Et moi, mon pensée, et non, fin de la difficulté, certainement, mais les besoins arrivent sur mon de difficulté. Et il faut toujours trouver le moyen d'assurer qu'ils. Quand nous établissons un calendrier, nous sommes maintenus, nous sommes guidés à quel point nous sommes capables de faire l'effort, faire ce qu'il faut pour réussir. Est-ce qu'il y a la possibilité d'un résultat HSI plutôt par l'avenir ou bien tout le temps pour faire la mi-septembre? Vous pensez que cette année, si c'était comme ça, il faut voir avec Cambridge. Vous pensez que cette année, si c'était comme ça, parce que tout d'un coup, nous décidons pour bouger les examens, etc. Mais nous devons checker avec Cambridge comment on pourra mener la date plus correcte. Ok. Merci beaucoup. Merci bien.